Hey, salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle ouverture de Supply Drop parce que, comme vous le savez probablement, il y a une centaine de nouveaux objets qui sont arrivés d'ici mardi dernier. Et donc aujourd'hui, bah malgré le fait que je n'ai pas encore 1000 clés comme à l'habitude, on va commencer, je peux plus me retenir, il va falloir ouvrir des Supply Drop pour essayer d'avoir les nouveaux items. Alors il y a surtout les armes, hein, bien sûr, que j'ai envie d'avoir, mais principalement le MX Garand et le pied de biche, hein, puisque c'est les deux qui sont, à mon sens, le plus intéressant. L'arbalète et le pistolet, le Marshall 16, ça serait un petit bonus, mais on est parti, on va ouvrir les Supply Drop et on va voir si on peut avoir ces nouvelles armes. Ça serait vachement cool quand même. Alors le premier, si on peut avoir sur le premier, ça serait tellement bon. Non, bah, on peut pas rêver, faut pas abuser non plus. Déjà, si on en a un... sur tout ce que je vais ouvrir aujourd'hui, parce que je vais pas en ouvrir énormément, donc si on arrive à en avoir rien qu'une nouvelle arme, ça serait vraiment génial. Donc on va voir, j'espère vraiment que ça va arriver. En plus, nouveau camouflage prestige, je vois là, mais bon, je veux vraiment avoir ces nouvelles armes et j'ai pas envie du tout de dépenser d'argent. Wouh! Iron Jim Melee Weapon, allez, c'est parti. Ça commence très bien. C'est quoi, au quatrième, troisième, on débloque l'Iron Jim, c'est énorme. Il n'y a plus qu'à débloquer maintenant le MX Garand. Ça serait vraiment, vraiment trop, trop bon de pouvoir débloquer le MX Garand tout de suite. Là, ça, si on pouvait, tu vois, enchaîner. Qu'est-ce qui se passe là? Je crois que le jeu il a bugué. Maman, le jeu il a bugué. Il marche plus. Bon, ok, écoutez, je reviens dans 2 minutes, je redémarre le jeu. Ok, nous y revoilà. Alors, bon, j'ai redémarré, je sais pas trop ce qui s'est passé. On va aller voir dans les Recently Acquired, parce que je crois que le dernier, il était pris en compte, mais ça l'a pas ouvert devant mes yeux. Du coup, je savais pas si j'avais débloqué. Donc j'ai débloqué 3 trucs pas terribles, hein, voilà. Bon, Caterpillar sur la batterie. Allez, on continue notre petite expédition, là. Si on peut avoir le MX Garand, s'il vous plaît, le MX Garand. Et c'est quoi ce bug? C'est quoi ce truc là? Mon dieu, je crois que le jeu il lag un peu là. Spearhead pour le Draken Ballistic CPU. Ok, d'accord, pourquoi pas. La suite, next, s'il vous plaît. MX Garand, s'il vous plaît. Ah, Deity, celui-là est super beau. Deity sur le Prophète est vraiment vachement stylé. Et franchement, le jeu il lag à mort aujourd'hui. Alors, c'est pas ma connexion parce que j'ai rien qui se passe. Je pense que c'est les serveurs qui sont un petit peu morts. Mais bon, c'est pas grave, hein. Tant qu'on peut continuer, on va continuer. Etching Shiva, j'ai cru que c'était un M1 Garand, un MX Garand à un moment, j'y ai cru, mais... Ah, allez, bon, de toute façon, je pense que ça va prendre un peu plus de temps, apparemment, les serveurs sont un petit peu à la ramasse. J'espère que ça va pas rester bloqué encore une fois, parce que sinon, ça serait un petit peu embêtant quand même, hein. J'ai pas envie de redémarrer le jeu à chaque fois pour essayer d'avoir d'ouvrir une seule caisse, ça serait un petit peu dommage, et je pense que je vais devoir le faire, donc bon, je reviens. Ok, donc après une attente d'environ 45 secondes, j'ai quand même fini par ouvrir la caisse. Il n'y avait rien dedans, mais voilà. Bon, bref, je pense que les serveurs sont un petit peu à la ramasse aujourd'hui, mais bon, on va continuer quand même. J'ai pas beaucoup de caisses à ouvrir, donc on va continuer tranquillement. Tant pis, hein, s'il y a des petites attentes comme ça, je couperai au pire pour passer à la suite. Mais bon, je sais pas trop ce qui se passe, mais bon, voilà. Geist, ça c'est un nouveau, je pense, apparemment. Je crois que c'est un nouveau, ouais, un truc violet comme ça, j'en ai jamais vu encore, c'est plutôt sympa. Mais bon, c'est toujours pas ce que je veux. Moi je veux juste le MX Garand, là. Le reste je m'en fous un petit peu. Si on pouvait avoir l'arbalète, allez pourquoi pas, ça serait toujours sympathique tu vois, mais vraiment le MX Garand c'est vraiment l'arme que je veux tester absolument, puisque si seulement ils auraient pu me mettre comme le Fal, tu vois, le Fal ça aurait été bien, je le vois venir là. Ah putain, c'était une camo de VMP que je voyais, merde. Ah bah du coup j'ai DIT sur le prophète, bah voilà, comme ça j'ai la tête et le corps sur le prophète, donc ça c'est nickel, comme ça j'ai les deux, allez, hein, comme ça on a toute la tenue complète, c'est parfait. Warthorn sur le Ken 44, non ça c'est un peu vieux Warthorn, hein. Moi je veux juste des nouvelles armes, je m'en fous de tous les camouflages et tout, je ne veux que des nouvelles armes, mais j'ai quand même eu de la chance d'avoir le Iron Jim, je vais pas me plaindre, mais c'est vrai que c'est pas ce que j'attendais le plus, voilà, on va dire ça comme ça. Allez, continue tranquillement, oh 30 crypto key bonus, bam, allez, un gratos, ça c'est fait, on continue. Là je crois qu'il va pas y avoir grand chose encore dans celui-là, ouais, Knight Spectre Body Team. Je crois que je l'avais déjà en plus celui-là, il me semble. De toute façon, les knights, les thèmes knights sont vraiment pas terribles, je trouve. Allez, Valkyrie sur le XR2, Storm sur le XM53, Geist sur Nomad, c'est le truc violet, Geist. C'est marrant parce que vu qu'il a juste un patch sur l'œil, on voit quasiment rien du camouflage. Allez, oh les serveurs sont vraiment à la ramasse aujourd'hui. Depuis qu'ils ont fait la mise à jour, honnêtement, les serveurs, je sais pas ce qu'ils ont, mais c'est un petit peu la mort, hein, pour trouver les parties. Ah, Geist sur le Reaper, je sais pas, il a l'air stylé celui-là par contre, sur Reaper. Et Venom sur le Spectre. Allez, il nous reste une caisse, deux caisses à ouvrir, je dirais, si on a plus de 7 key bonus sur celui-là. Je sais pas si on va en avoir plus de 7. Allez, 3. Bon,
Alors, on va burn les duplicates. J'en ai pour 23 clés de duplicates, apparemment. Un petit peu plus. Un petit peu plus, apparemment. Non, en fait, j'ai 23 duplicates et chaque duplicate me donne plusieurs clés, donc voilà. C'est surtout ça. Allez, j'ai eu 79 clés, du coup. On est parti, on continue pour les deux derniers. Allez, le MX garant sur les deux derniers. Trop du mal à s'ouvrir, le machin. Allez. Ah. Non. Non, je veux le MX garant. Ah, puis forcément, j'ai pas du tout envie de dépenser des sous dans le jeu, et je ne dépenserai surtout pas de sous dans le jeu. Donc, écoutez, je pense que... On va s'arrêter là à 3 clés bonus, c'est dommage, j'aurais pu en avoir un en plus, mais bon. Ah, peut-être que j'ai encore des duplicates. Ah, j'en ai 3. Allez, c'est parti. 3 duplicates en plus, on va pouvoir réussir à avoir une caisse supplémentaire. Peut-être 2 si j'ai vraiment beaucoup de chance sur les clés bonus. On va voir. Et non. Ok, ça c'était vraiment de la merde. Oh la vache, c'était trop de la merde. Allez, on va ouvrir des comme ça pour terminer, histoire de finir en beauté, tu vois, si ça se trouve. Ça peut sortir de cela aussi, hein, tu sais pas. Hein. Tu sais pas ce qui peut sortir de ces trucs-là. Les communs, tu sais pas. Des fois, il y a des trucs, tu comprends pas trop ce qui se passe. T'as une putain de chatte et puis il te sort des trucs de fou. Mais là, ça va pas être le cas parce que je vois déjà que des trucs bleus qui apparaissent. Donc voilà. Bref, encore 5 duplicates, oh, mais je veux pas y aller quand même. 9 clés, voilà, j'ai 9 clés, j'ai pas assez pour en ouvrir. Bref, voilà. Bon, sur ce, j'ai quand même eu quelque chose d'intéressant. Hein. Alors, on va dégager cette classe. De toute façon, les classes avec les mitraillettes, ça sert à rien. J'ai réussi à avoir donc le Iron Gym. Et bien entendu, je suppose, voilà, il faut refaire tous les camouflages sur le Iron Gym pour pouvoir débloquer le Gold, etc., etc., malheureusement. Mais bon, le Iron Gym, c'est quand même le meilleur. C'est quand même le meilleur. Hein. Je ferai une vidéo là-dessus, mais c'est vraiment un très très bon, une très très bonne arme de mêlée. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous souhaiter, comme d'habitude, une bonne journée, une bonne soirée. Puis on se retrouve très très vite pour un gameplay avec l'Iron Gym. Allez, ciao !